Il y a le risque d'arrestation qui pèse sur tous les membres du mouvement citoyen ras-le-bol. Au niveau de Pointe-Noire, il y a une véritable insécurité pour les membres du ras-le-bol, tout comme au niveau de Brazzaville. Moi qui vous parle, nous vivons dans une certaine clandestinité aujourd'hui. On ne peut plus s'afficher, on ne peut plus mener les actions. D'ailleurs, les gens de la sécurité ou certaines personnes qui sont proches de la sécurité nous signalent toujours que votre nom est écrit au rouge au ministère de, à la direction des renseignements généraux. Voilà, donc il faut faire très attention, on va vous arrêter. Et ça, nous avons les informations il y a très longtemps. Il y a des gens qui sont allés à la DGST, qui ont été arrêtés, qui nous ont rapporté les informations à plusieurs reprises, que voilà, les menaces d'arrestation pesaient sur nous, avant même qu'on arrête Franck, avant qu'on arrête même les autres, quoi. Ceux qui qualifient de leaders du mouvement sont menacés par les arrestations, sont menacés d'être arrêtés au jour d'aujourd'hui.